regardez, les gilets jaunes, il y en a partout, même à la montagne. On est là et on ne bougera jamais. Et voilà comment c'est. Et bien voilà les gens, le plus haut rond-point de France, on l'a déjà fait, 2001 mètres. Qui dit mieux? Qui a fait un rond-point à 2000 mètres d'altitude? Mézig, voilà. Voilà, voilà. Mais tant pis, hein. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Voilà. Déjà. Voilà. Ben voilà. C'est une question d'énergie. Il suffit d'une personne. Évidemment, quand on est plus, c'est mieux. Ouais. Bon, les gens, mordez la vue qu'on a depuis le plus haut rond-point de France, 2000 mètres, col de Parrière, Ariège, Pyrénées, regardez, c'est pas beau ça? On voit tout, on voit la chaîne des Pyrénées là-bas, depuis le rond-point. Là, vous n'avez pas une vue comme ça depuis vos ronds-points, hein? Ah ben non, hein. Oui, on est moins nombreux ici, mais ça peut venir, hein. Écoutez, voir. Si jamais le mouvement il est un peu lent, hein, comme les escargots, le 19, dans ce cas-là, le samedi 19, on reviendra ici. Hein. Alors, ceux qui veulent venir au plus haut rond-point de France, col de Paillère, Ariège, et venez ici le samedi 19, dans la mesure où il n'y a pas une grosse mobilisation. Hein. Si ça devient énorme, ben on ira rejoindre les copains et les copines, pas à la cantine, mais dans les grosses manifs, on verra. Perpignan, Carcassonne, Foix, Toulouse, on verra bien. Ça va les gens? Vous voyez un peu? Voilà. Attendez, je vais vous montrer quelque chose encore. Ah, que vous ne savez pas. En plus, là, ici, à cet endroit-là, au-dessus là, il y a quelques années, eh ben, il y a eu un porte-avions qui est venu là, en lévitation, hein, en antigravité. Ah, mais c'est un porte-avions qui vient d'ailleurs. Ah, vous ne me croyez pas? Je vais vous le montrer, je vous le montre tout de suite, puis après je vous montrerai le rond-point. Allez, je vais vous montrer quelque chose, parce que quand même je suis journaliste indépendant, photographe professionnel, et voilà ce qu'on a ici en plus. Attendez, reviens ici toi. Voilà. Alors ici, on a donc un engin qui était photographié en infrarouge sous ma direction en 2012. Ici au col, alors vous voyez ici un peu sur la droite la grosse montagne, la grosse colline, et on peut repérer où se trouvait donc cet engin qui était en suspension antigravité, dont la taille fait celle de porte-avions Charles de Gaulle dans la largeur et de l'Arc de Triomphe en hauteur. Alors, je vais vous montrer où il est. Oui, c'est ici, au plus haut point de France. Oui, il y a ça ici, parfaitement, mais oui. Ah, toujours là, une vue sur la chaîne des Pyrénées. Ce qu'on voit, c'est de la fumée des stations qui... Attendez, voilà, là. Des stations qui brûlent, tout ce qui est sur les pistes. Et ici, donc, voilà, cette montagne que vous voyez sur la photo que je vous ai montrée avant. Si vous ne croyez pas aux ovnis extraterrestres, eh bien voilà, ça a été étudié, ça, par beaucoup de scientifiques que moi j'ai rencontrés qui disent, nous on étudie tout, hein, mais on dit rien parce qu'on veut garder notre place. Voilà, comment ça fonctionne. Ils vont venir nous aider? Ben non, parce que les humains ils sont tellement cons qu'ils se débrouillent tout seuls. On est tous d'accord? Ben oui. Si les humains se réveillent et font une belle planète, peut-être qu'il y en aura qui viendront nous voir. Mais dans l'état actuel, c'est mal barré. Hein. Voilà, je vous ai montré où c'était l'engin énorme qui est venu là, il y a quelques années. Mais il y en a toujours, hein, ces gens-là, ces engins-là, vous inquiétez pas. Hein. En principe, ils viennent de la grande montagne que vous voyez au fond. Là. Voilà. Eh bien, vous voyez un peu les ronds-points de haute altitude, ce que c'est? C'est autre chose, hein? Eh ben oui. Et puis ici, il n'y a pas de canon à eau, ni de rien du tout, ni de lacrymo, ni,
de grenades de désencerclement ici. Ah ben non. Ben voilà, c'est quand même bien. Ah ben oui. Voilà, ben des fois on peut discuter, hein, des gens super sympas de l'Aude. Ah, vous savez pas, hein, vous y croyez pas que c'est le plus haut rond-point de France. Hein. Eh ben on va vous y montrer. Salut les gens de l'Aude. Ouais, ben ils ont discuté, ils ont regardé les panneaux. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Mettez vos panneaux, mettez un gilet jaune, expliquez, et puis tout. Voilà, c'est mort. Hein, vous mettez un panneau avec toutes les informations absolument horribles, d'assistes horribles, hein. Oh, ya. Puis notre super Karim Indège qu'ils ont essayé d'assassiner, là, en trafiquant son petit avion. Et puis, l'autre côté, ben, vous mettez la vérité sur les... Voilà, attendez, voilà. Vous mettez la vérité sur la merde, là, que monsieur le ministre Véran nous a envoyé, hein, qui sert à rien du tout. Voilà. Attendez, je vais vous montrer la preuve que c'est le plus haut rond-point de France. Voilà. Ici, vous l'avez là. Là, ça ressemble au Far West. Hein. Vous voyez, on n'a pas nos copains chez vous. Voilà. C'est là. Alors, vous voyez là, l'altitude. Et là, eh ben oui, ben pourquoi on ne ferait pas un rond-point? Et ça, c'est quoi? C'est une cabane de gilets jaunes, ça? Moi, je vous l'ai déjà montré. Attention, attendez, on rentre dedans. Vous, là, bam, bam. Ah là, ils vont pas la démolir avec des bulldozers, celle-là. Oh, ben non. Regardez, si c'est pas une belle cabane de gilets jaunes. Du costaud, ça, hein? Ah, ben oui, hein. Managé par l'association, là, qui est près de chez moi, là. Le Conc en Donaison, avec plein de cabanes. On peut venir, ouverte à tout le monde, hein, c'est fraternité, tout ça. Ici, pique-nique, en face de la chaîne des Pyrénées, là-bas au bout. Vous avez le Saint-Barthélemy, qui est la montagne sacrée des Cathares, qui surplombe Montségur, du super top. Hein. Bon, alors ça, voilà, la cabane en dur, là, bon, je ne vous montre pas, parce que ça, on ne verra rien dedans. Mais bon, c'est fait exprès, c'est bon. Voilà, voilà le plus haut rond-point de France. Voilà, ben j'ai gagné le ticket, hein, du plus haut rond-point de France. Voilà. Eh ben vous viendrez les gens par ici. De toute façon, il va falloir venir là pour se réfugier, faire des maquis. Alors, vous pouvez vous bouger. Hein. Bon allez, on va changer de coin, se trouver un endroit où il y a moins de vent. Et on va faire un sit-rep, un report de situation. Si ça vous intéresse, vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Je vous parlerai un peu de l'Amérique, parce que j'ai vécu 12 ans. J'étais garde armée, sécurité même. Et puis, il y a plein de choses à vous dire. Et si le sujet extraterrestre vous intéresse, ben, vous allez voir ma chaîne Golden Star Seed Report. Et vous apprendrez des choses qui sont... carré, hein, parce que j'ai quand même été conférencier dans des congrès internationaux avec les cosmonautes russes, astronautes américains, des gens de l'Air Force, enfin, des pointures, quoi. Alors, je sais ce dont je parle, plus j'ai des expériences perso, voilà. Mais si vous voulez, vous allez voir ma chaîne. Autrement, ben, partagez cette vidéo au max et essayez donc de faire monter la chaîne Golden Star Seed Report qui est en ghost banning, c'est-à-dire il bloque tout, qu'elle soit pas visible. Et elle, ça fait depuis un an qu'elle est à 5550 et ça bouge pas. Alors, il faut la faire connaître au max. Merci de m'aider là-dessus. Et regardez aussi pour m'aider financièrement. Je suis quand même citoyen reporter. Alors, je fais la même demande que Jules, Joshua et tous les autres, hein, d'aide financière parce qu'on n'a aucun sponsor. Non, même en tant que journaliste indépendant, on n'est jamais payé de rien du tout. Voilà. Il faut nous aider. Voilà. Sinon, vous ne serez jamais au courant de ce qui se passe. Allez les gens, tout le monde se bouge maintenant. Hop hop, Captain Vierge, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse, citoyen, reporter, en colère. Une synthèse très rapide de ce que je dis en long, en large et à travers dans ma chaîne. Golden Star Seed Report, allez-y voir, fouillez dedans, il y a plein de top choses à apprendre. Alors, la synthèse d'abord, une facile, et puis oh, une autre qui sera un peu plus haut de plafond. On va essayer de faire ça rapide. Alright, ok.
Alors, la première synthèse, c'est bien comprendre à tout le monde. Je crois que tout le monde comprend de plus en plus, en particulier les gilets jaunes dans le plafond, hein, qui sont avec Sébastien, qui est d'autres maintenant, Fred, etc., qui savent, qui ont compris parfaitement que c'était un plan global d'un nouvel ordre mondial, de l'élite du 1%. David ICKE, Ike, fait toujours le rapport, le parallèle avec le film The Hunger Game, qui décrit la société actuelle. Il y en a beaucoup d'autres films qui décrivent la société actuelle. Donc tout le monde doit comprendre que tous les dirigeants du monde font partie de loges. Hein, cherchez, vous allez voir, Histoire des Francs Mac, ils y sont tous, même les dirigeants chinois, ils ont des loges, tout le monde, voilà. Donc tous ces gens-là sont des pantins, ils sont manipulés, ils reçoivent des ordres d'au-dessus. Donc ça ne sert à rien de se focaliser sur un leader en particulier, un président en particulier, parce que c'est un programme global de génocide de l'humanité, hein, avec tous les prétextes possibles et imaginables pour faire une société tyrannique complète, un modèle 1984, mais en ultime, c'est le génocide de l'humanité complet. C'est pour ça qu'après, on passe à quelque chose de plus haut, où il faut capter. Et ceux qui écoutent bien, par exemple, Jésus Gilet Jaune, vont comprendre, parce que de plus en plus, ils parlent de ça. Il y en a d'autres aussi, hein, des figures qui parlent de plus en plus de l'aspect spirituel. Ça fait depuis pas mal de temps que ça monte, hein, de pousser les gens à voir les choses au point de vue spirituel, d'accord ? Qui veut dire autre chose en dehors de la réalité qu'on voit là. Hein. Bien expliqué dans les vidéos de David Icke, les quelques rares qui sont encore sur ma chaîne, qui n'ont pas été supprimés ou bannis. Voilà. Et également, si vous écoutez par exemple le loup stratégique, oui, je sais, il est difficile à comprendre parce qu'il parle en code et il faut vraiment avoir un captage assez haut pour récolter et capter l'essence de ce que dit le loup. Mais ça vaut le coup quand même. Et aidez-le dans sa chaîne. Allez, maintenant, on passe à une synthèse que je développerai plus tard parce qu'il faudra vous l'expliquer très longuement. Parce qu'il faut quand même capter. Mais vous allez déjà capter pour ceux qui sont encore un niveau au-dessus des fameux hauts de plafond, un mot inventé par Nadia Gilet Jaune de Paris. Alors, il faut comprendre mieux. Tout le monde a capté qu'il y a un génocide de l'humanité. Vous avez suivi Mike Zellranger, Stu Peters, et puis plein de choses, Karim Adej, tout le monde. C'est réglé, tous les alerteurs qui sont maintenant des docteurs, des directeurs de funérarium, etc. Tout le monde nous explique, c'est un génocide complet de l'humanité. Le but est de supprimer la race humaine, d'abord d'en faire des robots, des hybrides, et de la supprimer complètement. Alors, mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire aller à un niveau supérieur qui est... Mais qui est derrière tout ça? Ce sont des entités maléfiques, qui dirigent la planète depuis longtemps d'ailleurs, hein, on le sait très bien. Alors appelez ça Satan, tous les mots que vous voulez, Lucifer, tout ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est bien autre chose, que plus haut que ça encore comme problème. Ce sont des entités, disons, interdimensionnelles de très très bas niveau, qui ont pris forme de vie, tout ce que vous voulez, bizarroïde. Voyez ce que dit David ICKE. Hein. Alors évidemment, c'est difficile à comprendre parce que tout le monde fait des rumeurs pour ridiculiser cette idée. Mais on va le dire autrement. Supposez que vous avez des gens négatifs, des gens. Ce sont pas des gens. Ce sont des êtres qui ne sont pas humains, qui sont négatifs et qui ont essayé de coloniser la galaxie et d'autres galaxies, etc. Alors ceux qui aiment bien la guerre des étoiles ou tout ça, ou le reste, hein, Stargate, etc., vous les avez, hein, les Goa'uld, tout ça, là, c'est tout à fait ça. Donc il y a des entités
Ben oui, qui sont pas de cette planète, alors ça s'appelle l'extraterrestre, si vous voulez. Hein, vous voyez les vidéos de mon ami Jimmy Guilleux, hein, qui a été liquidé, assassiné d'ailleurs, parce qu'il révèle trop de choses sur les fameux gris et tout ça. Ah ben oui, mais là, il faut ouvrir les cases, hein, encore plus grandes, hein, ça c'est sûr. Alors ces êtres-là sont en train de faire un terraforming de la planète. Pour ça, ils utilisent bien sûr des programmes quasiment ordinateurs, hein, pour contrôler tous les pantins qui sont les dirigeants des nations, y compris même la tête d'œuf là, du forum économique mondial, là, des toutes les conneries comme ça. Ils veulent terraformer, enlever la race humaine et la remplacer par des races à eux, ou des colons à eux, des formes de vie qui seront principalement insectoïdes, arachnoïdes, hybrides, reptilos, tout ce que vous voulez, et qui vivront sur la planète une fois qu'ils auront liquidé l'humanité. Alors c'est contre ça qu'on se bat. Là je sais, là c'est difficile à avaler. Alors si vous avez réussi à aller jusque là, ben continuez, hein. Continuez, regardez tout ce qui se passe sur ma chaîne tant qu'elle existe encore. Regardez dans les autres plateformes, regardez les noms que j'ai donnés, hein, Stu Peters, Mike the Ranger, David ICKE et bon nombre d'autres qui vous expliquent tout ça. Alors ça, on le développera plus tard. Le point important, c'est que les humains de la planète doivent décider ce qu'ils veulent faire comme réalité de vie globale, de société humaine sur cette planète. Ils doivent le décider. Ils sont en train de les décider en ce moment. C'est pour ça que quasiment 70% d'entre eux, c'est pas 80%, ont décidé de passer du côté obscur, si vous voulez. Oui, en le sachant très bien au niveau de leur âme, l'âme elle sait tout, parfaitement. Ils ont donc choisi de continuer à être esclaves, mais de le devenir officiellement, en signant carrément. Vous savez, comme les gens à Hollywood, là, qui signent avec leur sang, leur pacte, là, pour devenir fameux et devenir des stars, voilà, ceux-là. Tout le monde sait ça, maintenant, tout le monde sait ça. Alors, les êtres de la planète, qui étaient humains avant, signent pour ça, et du coup, avec le piqui-piqui-piqui collégramme, eh bien, ils sont devenus non-humains. Ils ont plein de nanorobots, d'hybrides, d'hydrogel, tout ça en eux, qui nous envoient quand on vient se frotter trop près d'eux, ils nous contaminent. Il y a un docteur récemment, j'essaierai de vous le mettre là, dans mes autres vidéos après, hein, sur écran, je vous montrerai un peu ce que dit un docteur qui a découvert que tout le monde avait des nanorobots dans le corps, parce que contaminés, un, par les vachers, les pique-piquets, et deux, par les chemtrails. Ah oui, je sais, ça fait beaucoup avaler, mais je sais que beaucoup de la famille, c'est la famille gilet jaune, hein, c'est pas la famille dont parlent les nullités qui font un rapport Mivilu de 2021, qui est une horreur de la nullité complète. Comment peut-on écrire des choses aussi nulles que ça? Ça dépasse l'entendement, et dedans il parle d'une secte qui s'appelle la famille. Ça n'a rien à voir, la famille jaune c'est tout à fait autre chose. Alors on espère qu'un certain nombre d'entre vous captent ce qu'on vous dit là, parce que je ne suis pas le seul à vous le dire.